Bon, proposons-nous d'étudier somme, la somme suivante. Donc on a 3, 4, 5 n'y est pas, 6, 7, 8 n'y est pas, 9, 10, 11, 11 n'y est pas, 12, 13, 14 n'y est pas, et ainsi de suite, jusque, on va dire, pour 21. Pour 21. Alors, c'est assez simple. Pourquoi? Parce qu'ici, on a 3, 6, 9, 12. 12, c'est le multiple de 3. 3K fois 4, 7, 10, 13. C'est tout simplement le suivant de 3K. 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13. Voilà. Et il faut sommer ça pour K égale 1. Et combien de termes qu'on a? On a besoin de 20 termes. Donc n égale 20. Bon, mais calculons ça. Ce qui fait 3k carré plus 3k, la somme pour k égale 1 jusque 20, ce qui fait 3 fois la somme de k carré plus 3 fois la somme de k. Voilà. K carré, on a dit que c'était n fois n plus 1 fois 2n plus 1, le tout sur 6. Mais attention que j'ai un 3 ici. Si j'ai un 3. Donc il faut faire fois 3. Quant à l'autre, c'est 3 fois n fois n plus 1. Comme c'est k, fois n plus 1 sur 2. Voilà. Voyons voir si c'est valable. Si je prends par exemple k égale 1. 1 au carré, 1, une fois 3, 3. Plus une fois 3, 3. Alors, 3 plus 3, ça fait 6. Carré plus 3k. 3k carré plus 3k. Donc, 1 au carré, 1, une fois 3, 3. Une fois 3, 3. 3 plus 3, 6. Une fois 3, 3. Une fois 3, 3. 3 plus 1, 4. 4 fois 3, 12. Ah, voilà. L'erreur est là. C'est 9k carré. 3 fois 3, 9k carré. Donc là, c'est 9. Et donc, fatalement, ici, c'est 9. Voilà. Bon, si k vaut 1, 1 au carré, 1. Une fois 9, 9. Une fois 3, 3. 9 plus 3, 12. 3 fois 4, ça fait bien 12. Si k vaut 2. 2 au carré 4, 9 fois 4, 36. 1 fois 3, 3, 36 plus. 1, si je prends 2, 2 au carré 4, 9 fois 4, 36. 2 fois 3, 6, 36, ça fait 42. 6 fois 7, ça fait bien 42. Voilà, et ainsi de suite. Bon, on va voir si maintenant n égale 2 pour n égale 2. On va prendre n égale 2. Bon, ça fait. Ici, on a 9. Hein. 2 fois 3, 6. 2 fois 2, 4 plus 1, 5. Fois le 9, divisé par 2. Plus, on a pris n égale 2. 2 fois 3, 6. 6 sur 2, 3. 3 fois 3, 9. 5 fois 3, 15. Ça se simplifie. 15 fois 9. Ah.
Donc ici, il y a peut-être un petit problème. Ah, divisé par 6 ici. Divisé par 6. Donc 2 fois 3, 6. Les deux là se tombent. 9 fois 5, 45. Ah, on ne le voit pas. Donc, je répète. N vaut 2, 2 fois 3, fois 2 fois 2, 4 plus 1, 5. Donc c'est 2 fois 3 fois 5. Mais comme il y a un 9 ici, je dois faire fois 9, divisé par 6. Alors, n vaut 2 ici, 2 fois 3, 6. 6 sur 2, 3. 3 fois 3, 9. Donc il faut faire 9 fois 5. Les 2 et 3 et 6 se simplifient. 2 fois 3, 6 sur 6, ça fait 1, 9 fois 5, 45. 45 plus 9, 54. Bon, voyons voir si on a bien 54. 42, on a 54. On remonte au-dessus. 12 plus 42 fait bien 54. Voilà.